Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue au grand show de l'entreprise. Ce soir, nous serons tous euro-méditerranéens. Souhaitons que la mise en place d'une dynamique donc pragmatique et concrète, fondée sur l'expérimentation, parce que dans les PME, on est avant tout des gens qui expérimentons et qui attendons les résultats. L'expérimentation et la construction de ce modèle méditerranéen qui tiendra compte de nos différences, parce que ces différences existent, et j'y tiens à part égale, sans que le Sud se sente obligé d'adopter un modèle des pays du Nord qui leur serait imposé. Il y a donc une vocation évidente à ce que Marseille soit la capitale naturelle de ce grand projet d'union pour la Méditerranée. La zone euro-méditerranéenne, quand on la prend dans son ensemble, quand on additionne les montants investis dans chacun des pays, de ces 17 pays qui bordent la Méditerranée, c'est la troisième région du monde en matière d'investissement international. L'objectif, c'est le renforcement de la qualité, mais également du flux d'investissement dans cette région, et également donc des développements et des échanges commerciaux. Nous croyons fortement que le Mare Nostrum existe, les chiffres le prouvent. Donc il y a vraiment une grande proximité qui nous donne envie de faire plus. On rencontre certaines difficultés, notamment avec les douanes, notamment avec les échanges bancaires aussi. Il y a des points encore à améliorer. Sa pêche, c'est dans l'assistance, dans l'accompagnement à la réalisation. C'est-à-dire que quand vous êtes une PME, lorsque vous avez franchi le premier pas, que vous avez commencé à voir vos prospects, voire même à signer de premiers contrats, il est nécessaire derrière d'avoir un accompagnement dans tout ce qui va venir polluer la réalisation de vos chantiers. On est présent vraiment sur tous les sites et à chaque fois, le développement économique de l'entreprise passe par la responsabilité sociale et le développement local et la croissance du territoire. Ce sont des conditions pour moi au niveau des douanes, au niveau bancaire, au niveau formation qui seront nécessaires aujourd'hui pour que je réinvestisse clairement dans les pays du Maghreb. C'est pour dire tout simplement l'association ou des espaces d'échange et de réflexion sont extrêmement importants parce qu'ils permettent d'abord de casser ces barrières culturelles, si elles existent, généralement elles le sont, et derrière le business quand il se fait, il est tout naturel. C'est au fond le capital humain qu'on trouve ici, ou disons les ressources humaines, la qualification du personnel et aussi le tissu du côté formation, parce que là dans la région Fos-Berne-Marseille, il y a quand même une structure de formation qui a été établie, qui sert très bien les nécessités des industriels, des grands industriels, mais aussi des petites et moyennes entreprises. Et ce qui, à mon avis, est un grand atout ici pour la région, c'est le tissu des sous-traitants, des PME, qui se sont vraiment adaptés aux besoins de l'industrie. Et là, l'ambition, c'est l'entrée dans les 20 premiers. Et c'est vrai que la référence méditerranéenne, et ça on le dit parce que je crois qu'on est tous gagnants dans cette affaire-là, la référence méditerranéenne est pour nous un levier fantastique pour rentrer dans le top 20. On est méditerranéen avant tout. Et c'est vrai que Bernard, je peux parler de cette école dont je suis issu encore mieux parce que ça fonctionne bien. C'était cette espèce de double culture qu'on revendique où à la fois on comprend à peu près comment ça se passe dans les pays anglo-saxons. On est surtout avant tout des méditerranéens. C'est-à-dire qu'on ne porte pas de cravate, vous l'avez remarqué. D'ailleurs, je suis le seul méditerranéen à cette table, je le vois tout de suite. Est-ce que vous iriez à Izmir ou à Istanbul où il fait 40 degrés avec une cravate? Sincèrement, en tant que chef d'entreprise, je ne pense pas qu'une ville de la Méditerranée pourrait suffire pour créer le mouvement de développement que nous espérons pour notre région. Il y a de grandes métropoles méditerranéennes comme Marseille, Rome, Alexandrie, Tunis, Casablanca, Istanbul et j'en passe. Et nous ne serons pas de trop pour apporter notre engagement. Ce qui est important, c'est de se rendre compte aujourd'hui qu'on est en pleine disparité. Quand le président Sarkozy lance son idée, les gens de la Méditerranée ne regardent pas à qui appartient la main qui vient les sauver de la noyade. Il faut quand même le savoir. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le projet initial a créé un espoir... Énorme. Énorme. Et vous ne pouvez pas vous imaginer. Et il existe. Il existe des choses concrètes. Prenez la niche énergétique.
Vous allez en Algérie, vous dites, très bien, vous avez du gaz et du pétrole, on vous donne du nucléaire civil, on met tout ça dans le pot commun. On associe les Marocains, c'est une occasion qu'ils se parlent, avec leur phosphate, avec les Jordaniens. Ça y est, on a déjà une sorte de cohérence. On va voir l'Égypte, la mère du monde, au Medunia. On va voir l'Égypte, on lui dit, tu es le seul pays à avoir des stockages de pétrole importants à Bourdais. Très bien, on va mettre ça aussi dans le pot commun. Une culture plurielle, et parce que je pense que ça, c'est notre chose plus intéressante. Nous sommes pluriels, tellement différents, et en même temps, on a le sentiment que dans toutes ces différences, il y a quelque chose qui se rencontre. C'est un projet politique, mais c'est aussi un projet absolument commercial, basé sur la culture qui est déjà là. Comme j'ai dit, il y a le plan solaire, il y a des autoroutes de la mer, ainsi que l'interconnexion de l'autoroute du nord de l'Afrique, il y a la dépollution de la Méditerranée, il y a tout le domaine de la protection civile. Mais naturellement, il y a d'autres projets qui s'y ajouteront dans l'avenir. Le Sud ne veut pas être aidé, il ne veut pas être assisté. Le Sud, il veut qu'on travaille ensemble. Le Sud, il veut être respecté, il veut être compris. Bien voilà, si on veut réussir le dialogue euro-méditerranéen, si on veut tenir toutes les promesses de ce dialogue, si l'on veut arriver à refaire de la Méditerranée un creuset de civilisation et non plus le lieu de toutes les tragédies, eh bien, il faut partager le pouvoir, partager les responsabilités, il faut partager la gouvernance. C'est plus le processus de Barcelone n'est plus la propriété ni de l'Union européenne, ni des pays européens. C'est une copropriété entre les pays du Nord et les pays du Sud.